Article 1er. Monsieur Père Joseph Antoine est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONIES. Les responsables que nous avons le plaisir et l'honneur d'installer aujourd'hui auront à cœur d'élaborer un plan de gestion intégré des infrastructures et équipements sportifs, d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie et des mécanismes de gestion ou d'exploitation visant la maîtrise des charges inhérentes à l'entretien et à la maintenance des infrastructures et équipements sportifs relevant de la compétence de l'ONIES. Ils devront veiller à assurer la création, la conservation et la mise à jour d'une base de données physiques et numérique des études, plans et schémas techniques ayant servi à la construction des infrastructures et équipements concernés. Alors, Joseph Antoine Bell, pour moi, c'est quelqu'un de très, très intelligent. Il a du caractère, il a de la personnalité. C'est quelqu'un qui a un caractère bien trempé, comme on dirait. Et c'est l'une des meilleures expertises que nous avons au Cameroun en matière de sport. Et s'en priver eût été quelque chose de totalement désastreux. Donc, je tiens à le féliciter pour sa nomination. Bonne chance, plein succès pour cette exaltante mission qui vient de lui être confié et je ne doute pas un seul instant qu'il va réussir à la tête de cette organisation. Les gens qui sont en chantier, vous leur demandez quels sont les principaux chantiers. Ben, le principal chantier, c'est les chantiers. Donc il n'y en a pas. Je ne crois pas du tout qu'il y en ait un qui soit principal. Je pense surtout que c'est vrai que, comme journaliste, vous dites que vous représentez le peuple, mais vous faites semblant d'oublier tout ce que vous avez dit avant. Moi, je vous ai entendu dire, et j'ai lu, qu'est-ce qu'on va faire des stades, qu'est-ce qu'on va faire des infrastructures. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui vous a écouté, apporte une solution et vous me demandez qu'est-ce que je vais faire. Alors que c'est déjà la question que vous vous êtes posée, on a répondu. Je viens faire ce qui était votre inquiétude. Donc, je viens pour qu'on ne se demande pas comment on utilise les infrastructures. Je viens, évidemment, quand je dis « je », non, je viens avec mon équipe. Je suis un joueur d'équipe. Donc, on est là pour qu'on sache comment on utilise les infrastructures, pour qu'on sache comment on les maintient, pour qu'on sache comment, éventuellement, on les rénove quand il y a quelque chose et comment on les sécurise, comment on fait quand il manque quelque chose, comment on imagine les infrastructures qui manquent. On ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'on a déjà tout fait. On devrait pouvoir dans l'avenir, proche ou lointain, faire des infrastructures, concevoir des infrastructures novatrices. Donc comment on va innover ?